reviens aujourd'hui pour vous parler d'un challenge lié bien sûr au PLIB 2019, le premier de la saison. Je me suis un petit peu amusée avec ce joli maquillage. J'espère avoir réussi à faire l'intro comme je le souhaitais. Je la ferai après, donc pour l'instant, je vous avoue que je ne sais pas encore si j'ai réussi. En tout cas, pour ma part, je me suis plutôt bien amusée avec ce maquillage. Et donc aujourd'hui, restons un petit peu plus sérieux maintenant. Je vais vous parler du challenge. Alors, je n'arrive absolument pas à prononcer ce nom puisque c'est en anglais. Trick or Treat Readathon. Voilà, je crois que c'est ça. Bref, vous l'aurez lu de toute façon dans le titre. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer, mais vraiment brièvement, ce challenge puisque il y a maintenant pour le PLIB 2019 une chaîne YouTube sur laquelle Pauline vous aura expliqué en détail ce challenge. Aujourd'hui, je voulais juste vous rappeler un petit peu le contexte et puis vous montrer ma palle. Mais surtout, j'espère que vous allez venir dans ma team puisque aujourd'hui, je suis dans la team sorcière. Voilà, ce challenge, c'est un challenge qui va opposer deux teams, la team loup-garou de Pauline et la team sorcière pour moi. Et donc voilà, je me suis dit qu'il fallait tout simplement, alors j'ai les cheveux dans tout cet état, voilà. Je me suis dit qu'il fallait tout simplement vous donner envie de venir chez les sorcières pour gagner plus de points parce que je suis dans la compétition, que je veux que ma team gagne. Donc du coup, je me suis dit qu'avec une belle petite vidéo, un joli petit maquillage, vous allez avoir envie de venir dans la team sorcière. Donc pour remettre rapidement le contexte, le challenge durera du 29 octobre, donc je tourne ma tête parce que les dates et toutes les infos sont là sur mon ordinateur, donc du 29 octobre au 4 novembre. Et donc c'est un readathon, c'est-à-dire qu'il va falloir lire le plus de pages possible en une semaine, voilà. Et donc comme je vous disais, il y aura deux teams pour gagner des points à chaque fois que vous gagnez, vous lisez des pages. Alors nous avons fait ça en forme de jour, c'est-à-dire que chaque jour vous allez devoir lire tant et tant de pages pour gagner des points. Je ne vais pas vous expliquer là le nombre de points, etc. Comme je vous le disais, je vous mets dans la barre d'infos la vidéo vraiment explicative de tout ça. Et donc surtout, eh bien, venez les sorcières pour qu'on puisse gagner un maximum de points et écraser ces loups-garous, une bonne fois pour toutes. Alors, la petite info à savoir également, je pense que bien sûr Pauline en aura parlé, mais je pense que c'est important de le redire, c'est que le 30 octobre, le 31 octobre, pardon, la présélection des livres du PLIB 2019 sera enfin terminée. Et donc, au 1er novembre, nous saurons quelle est la liste des présélectionnés. Et donc ces livres-là, à partir du 1er novembre, si vous lisez dans la semaine un de ces livres en entier, vous ferez gagner quelques points en plus à votre team. Donc du coup, là je me suis constituée une palle parce que le début du challenge, nous n'aurons pas cette présélection, mais je pense que si dans la présélection il y a des livres que j'ai en ma possession ou que je veux vraiment acheter, j'essaierai vraiment de me lancer pour essayer de faire gagner quelques points en plus à ma team. En attendant, j'ai sélectionné 4 livres. Alors bien sûr que je n'arriverai pas à lire 4 livres, surtout que certains sont des gros pavés, mais simplement nous sommes aujourd'hui début octobre, donc je ne sais pas au moment où ce challenge démarrera ce que j'aurai envie de lire vraiment. Ça se trouve, il y a certains livres que j'aurais déjà lus avant. Du coup, je préfère me faire une palle un peu plus grande, entre guillemets, parce que je pense que en une semaine, je vais lire un, voire un et demi livre. Donc voilà, je me fais une petite palle et je vous la montre tout de suite. Oui, donc ça, je vous le rappelle aussi, si vous n'avez pas encore vu la vidéo du challenge qui est sur la chaîne du PLIB, il s'agit de lire du fantastique et du fantasy. Alors, j'ai tout d'abord celui-là, donc c'est La forêt de Miyori de Hideji Oda aux éditions Kanko. Voilà, c'est toujours un peu de mal, je n'ai pas trop l'habitude. Donc il s'agit d'un manga bien sûr. Et donc je me dis que c'est plus
facile pour gagner des points et des pages avec un manga. Donc allons-y. Donc je sais juste que voilà, c'est Miyori qui est une fillette de 11 ans qui entend les esprits de la forêt. Donc du coup voilà, c'est comparé, c'est ça qui m'a aussi donné envie, c'est que c'est comparé, ça rappelle le chef-d'œuvre de Miyazaki, Le Voyage de Chihiro. Donc c'est surtout ça qui m'a donné aussi envie de découvrir. Et donc celui-là c'est sûr, je me le garde pour la semaine du challenge. Un livre que j'ai acheté aux Imaginales qui me donne très envie, même si je ne me souviens plus trop du résumé, il s'agit du tome 1 de Kayla Marshall, dont L'Exil de Estelle Wagner aux éditions du Chat Noir. Et je sais juste que ça va parler de loup-garou, alors comment mieux combattre son ennemi qu'en le connaissant un peu plus. Voilà, je me suis dit que j'allais me renseigner un petit peu sur la team adverse avec ce livre pour pouvoir mieux les combattre. L'éternel Harry Potter et les reliques de la mort que vous commencez à voir pas mal dans ma palle en ce moment, dans toutes les palles que je fais pour les challenges. Le dernier tome d'Harry Potter est encore là et je suis, je crois, prête à le lire. Et en même temps, si je ne l'ai pas encore commencé, je me dis que peut-être finalement je ne suis pas si prête que ça. Après, je me dis que je vais peut-être le commencer un peu avant et puis je sais pas. Je me dis que là, je vais peut-être me le faire pour Halloween et il sera peut-être commencé avant, mais voilà. Puisqu'il ne s'agit pas de romans lus, mais de pages lues dans ce challenge, je vais pouvoir peut-être le commencer avant ou alors le commencer en plein milieu, je ne sais pas. Mais il me donne vraiment envie et je crois que je suis vraiment prête enfin à terminer cette saga. Le dernier que je vais vous présenter, c'est le tome 2 du clan Taran, donc l'aîné de Cassandil aux éditions, je ne sais plus, Lune Écarlate, voilà. Donc j'ai lu le tome 1 il n'y a pas très longtemps, je vous ai fait normalement un point lecture là-dessus. C'était durant le challenge du Plib. Et donc ici on parle de vampires, donc forcément il rentre très bien dans les lectures halloweenesques et pourquoi pas se lancer là-dedans. Voilà, je pense qu'il se, enfin, s'il se lit aussi bien que le tome 1, il va se lire rapidement, donc je me dis que ça peut être pas mal. Et surtout, j'en ai parlé avec l'auteur, et ce qui m'embêtait un petit peu dans le tome 1, et ce que j'avais envie de voir, l'auteur m'a dit que dans le tome 2, je le trouverais, et donc il m'intéresserait sûrement plus. Donc du coup, forcément, j'ai hâte de le découvrir. Voilà, donc je n'ai que 4 livres à vous présenter pour cette palle, puisqu'il s'agit d'une palle sur une semaine, chose que je n'ai pas forcément l'habitude de faire, mais voilà, le challenge ne dure qu'une semaine, donc je pense que ces lectures vont se faire, en tout cas, c'est sûr qu'elles vont faire partie de ces lectures en ce moment d'Halloween. Je pense que d'ici mi-octobre, puisque comme je vous disais, on est début octobre, d'ici mi-octobre jusqu'à mi-novembre, c'est des lectures, je pense, que vous retrouverez sur ma chaîne. Et donc elles sont là pour peut-être être mises dans le challenge. Mais je n'oublie pas qu'il y a peut-être des présélectionnés qui vont se rajouter en espérant que je les ai ou que j'arrive à les avoir assez rapidement pour faire, eh bien, gagner quelques points en plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a donné envie de venir avec moi dans la team sorcière. Surtout, n'allez pas chez les loups-garous parce qu'ils sont... ils sont mauvais, on ne sait pas trop ce qui se passe là-bas. Moi, je vous dis, il vaut mieux que vous veniez chez moi dans la team sorcière. Parce qu'il faut bien qu'on montre un petit peu de quoi elles sont capables, ces sorcières et sorciers, bien sûr. Je parle au féminin puisque je parle de moi, mais sorciers et sorcières, vous êtes les bienvenus. Et surtout, je vous attends sur la page Facebook ou sur Discord pour partager nos lectures ensemble. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que ce challenge va vous plaire et je vous dis à la semaine prochaine. Bye !